Bien le bonsoir à tous et à toutes, bien le bonsoir pour un nouveau live sur Bloodborne, en compagnie de ce cher SKX pour la Bloodborne Co-op, le RP Bloodborne en Co-op, voilà, avec Dr. X et Professeur Raven, évidemment. Ah là là, incroyable. Ça va être encore, je pense, une bonne soirée. Oh là, merci beaucoup, Madis Crazy! Merci énormément pour le resub, merci beaucoup à toi. Beaucoup de choses qui s'est passé aujourd'hui, que vous ne savez pas. Dans l'arrière, coulisses, tout ça, de YouTube. Beaucoup de choses personnelles qui sont arrivées, des changements, qui sont à la fois très impactants, à la fois peu impactants. Vous allez rien voir. Moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais grosso merdo, je n'ai plus de network. Voilà, mon network, vous savez, ces vieux trucs là que les gens rejoignaient à l'époque, qui prenaient une partie de tes revenus contre la protection des droits d'auteur, etc. sur tes vidéos. J'ai plus, ça y est, c'est fini. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve. Si ça se trouve, toutes mes vidéos seront supprimées d'ici 2 semaines. Ce qu'on espère pas. Mais voilà. Donc peut-être un nouveau départ éventuellement. Voilà. Voilà. Mais le seul truc qui me préoccupe, c'est que, en fait, quand tu quittes un network, ça je savais pas. Après, alors tu restes dans le programme partenariat YouTube et tout, donc t'as toujours tes avantages entre guillemets. Il faut que tu réactives les souscriptions de chaîne, parce qu'il y en a qui peuvent souscrire à ta chaîne de façon payante, hein, pour ceux qui ne le savent pas, sur YouTube. C'est une chose que vous pouvez faire. Et donc du coup, il faut que tu les réactives manuellement, parce que c'est en pause. Et pour les vidéos, en fait, toutes les vidéos sont passées de monétisées à démonétisées, enfin à non monétisées. Du coup, l'effet qui se coule, c'est que, en fait, j'ai dû remonétiser toutes mes vidéos. C'est-à-dire plus de 1800 vidéos, je sais pas combien j'en ai fait. Voilà, donc c'était très cool, très bonne matinée, hein, on va dire, voilà, pour débuter le week-end. Rien de tel. Mais j'en parlerai sûrement mercredi. En tout cas, salut petit bout de pain. Ah là là, my man is crazy, du coup, bien le bonsoir à toi, merci encore pour le resub. C'est qui le boss, salut à toi. Orun, bien le bonsoir. Turluan, bien le bonsoir à toi. Opinel, salut à toi. Veronilov, bien le bonsoir. Ah là là, Tony Souls, salut à toi. Moulagato, bien le bonsoir. Bien le bonsoir en tout cas à vous, ça fait bien plaisir. Dame Blanche, salut à toi. Ah, peut-être sur le chat, quelqu'un serait dispo, je ne sais pas. Le petit tigre, salut à toi. Sad Talker, salut à toi. Ah, il y a un bug de Twitch. Twitch était en PLS quand? Hier ou avant? Hier, je crois. Twitch était en PLS hier. J'arrivais pas à regarder un seul stream. Donc, tant pis. Bon, j'espère que ça ira à niveau Twitch. Ah putain, j'ai un truc dans l'œil. Ah, c'est terrible. Non, ça ira. Je sais même plus où est-ce qu'on en était resté, c'est terrible. Pour ce RP. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, nous avons appris que le Dr. X avait des relations étranges avec des patients nus et équipés d'un fouet. Tout à fait, tout à fait. Nous en apprenons de plus en plus sur le docteur. Peut-être que nous en saurons plus ce soir sur le professeur, allez savoir. Mais bon, mais en tout cas, juste pour terminer la parenthèse sur ce que je disais en tout début de stream, en gros, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que mon network m'a lâché. En plein milieu de la nuit, donc à 3h30 du matin précise, je faisais plus partie de leur société, enfin de leur truc, de leur partenaire, on va dire. Et du coup, de 3h30 jusqu'à ce que je me lève le matin, et surtout jusqu'à ce que je réactive les monétisations, ce qui m'a pris plus d'une heure, en gros, donc jusqu'à, on va dire, midi à peu près, j'ai pas gagné un pesos. Ce qui m'a un peu fait chier parce que du coup, il y avait le speedrun commenté qui était sorti entre temps. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, la vie continue, et surtout peut-être du meilleur pied, puisque un network, quand ça sert à rien et que ça te prend 20% de tes revenus, voilà, est-ce que ça sert vraiment? Bon, c'est pour ça, là, de toute façon, je savais que fin juin ce serait une période un peu de merde,
Et on verra début juillet tout ça, comment ça se passera. Et voilà. Comme ça, le mois de septembre, on sera prêt. Et puis voilà. Faut pas oublier aussi que j'ai des vacances. Salut Cyril. La magie. Oh là là. Ah mais ça, franchement, ouais. C'est... On va voir. On va voir. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a un peu fait flipper de me dire, bon, cette semaine, je vais plus avoir de network, comment ça va se passer? Heureusement, ils ont pas fait ça juste après la sortie du speedrun commenté. Ça m'aurait vraiment foutu les glandes. Mais bon. Par contre, j'ai pas avancé la vidéo de vendredi prochain. C'est terrible parce que c'est une vidéo où il y a beaucoup de travail. Donc voilà, voilà. Demain, je sais ce que je fais. Travail, travail, toujours. Toujours, toujours. Mais avec le sourire. Ce qu'on aime, ce qu'on fait. Et ça me fait plaisir. Merci à vous en tout cas d'être là. Et écoutez, on va aller voir ce cher SKX sur Discord. Et ma foi, reprendre notre aventure là où on l'avait laissé, bien sûr. Et n'oubliez pas du coup que mercredi prochain, on continue la run NG plus 10 avec du poison. Voilà. C'était très sympa, hein, là, cette semaine. On a bien avancé, en tout cas. Salutations, Cross. Salutations, Raven 2701XX. Alors, je me permets, j'ai gardé ce pseudo des années. Ah là là. Allez, on va aller voir SK. Let's go. Exactement, Shagam. Oh mon dieu! Mais c'est le grand SKX! Le magnifique Raven. Oh, le 20 Nvidia français! Avec un peu moins d'abonnés. C'est trop d'honneur, voyons. Oh putain. Ça va, j'ai cru que t'allais dire, oh, c'est le Exerf numéro 2, mais avec un peu moins de guide. Non, j'aurais dit plutôt le numéro 0, celui qui est au-dessus, mais que personne ne connaît. Oh mais oui, le numéro 0, tout commence par un 0. Oh putain, le numéro 1 de la news Elden Ring éventuellement. Oh oui, ça c'est beau. Avec toutes ces vidéos que j'ai sorties, mon pauvre. Oh là là, mais bientôt il sera là, le Graal, 21 le janvier. Oh putain. Ça va, 6 mois d'attente, les gens vont survivre. Putain, t'imagines les cadeaux à Noël, tu sais. J'en ai rien à foutre de Noël, moi, je veux fin janvier, putain. Tu veux quoi à Noël? 60 balles pour un jeu. Oh putain. Déjà que je trouvais que moi personnellement mes Noëls où j'avais un ou deux jeux, c'était déjà des Noëls un peu tristes parce que t'as aucune surprise. Alors t'imagines juste de l'argent comme ça juste pour un jeu, c'est encore pire. Incroyable. Oh putain. Oh mon dieu, mon dieu. Une carte cadeau Micromania. Oh putain, c'est ouf. Oh putain. Oh là là. Et quand même bonjour aussi à tous du côté de chez Raven, n'oubliez pas vous avez un point d'exclamation multi normalement dans les deux chats pour pouvoir assister simultanément à nos déboires et avoir en plus la double discussion. Et je ne sais pas si tu as rappelé la chose, mais encore merci à tous ceux qui ont joué le jeu des voix dans la tête. Ça c'est vrai que franchement je l'ai pas rappelé, j'étais en train de parler de mes déboires YouTube que je t'ai parlé juste avant. mais en tout cas oui, merci à vous en tout cas de jouer le jeu car on sait on n'est pas hyper présent sur le chat, c'est très compliqué, on essaie de jouer le jeu un maximum dans ce RP et voilà quoi donc merci beaucoup à vous et on espère que ça continue à vous plaire. En tout cas moi les retours que j'ai c'est énorme. Oui. Il y avait un commentaire, c'était quoi exactement? C'était genre, ah ouais, il est pas mal votre délire. C'était, je crois, sur la rediff où j'avais mis le cochon qui me... Ah, le cochon, mais non, mais cette invasion qui était incroyable. Ah bah, c'est Nécrochu contre Népla, et malheureusement, le Népla a gagné. Même l'entièreté du truc était incroyable. Ah oui, toute cette invasion, mais même toute la forêt, finalement. Mais je savais que quand on est rentré dans la forêt, je me suis dit, gloops, ça va être chaud. Mais non, tu vois, ça s'est très bien passé. Oh non, tout s'est parfaitement déroulé, comme on l'avait espéré. Oh putain, là, il y a encore de belles choses qui nous attendent, hein, concrètement. Ah bah oui, sachant que faut qu'on aille... Alors, chercher un boss en plus, donc ça va être drôle. Alors il faut qu'on finisse, je crois, un morceau qu'on avait fait chez toi, pas chez moi. Et après, on a des boss on a encore un boss optionnel ou deux à faire dans la tour. Et après, je ne sais plus. Et après, ce sera avant les. Il y a encore autre chose avant le DLC, je crois. On peut faire. Ça sera 26, en fait. Ouais.
Ça sera même 6 et sinon c'est Brietas quoi. Oh non, Nicolas, le one shot. Je l'oublie tout le temps lui. Mais je sens venir le. Tu sais, ça va. Faut... Je sens venir le one shot sur l'autre quoi. Tu sais, à chaque fois, pas sur le type à côté. Non, non, l'autre comme ça nous nique bien. Oui, non, bien. Mais c'est toujours. Avec son col beyond là. S'il joint ses mains, c'est mort. Oh. Mais non, ça va bien se passer. Oh là là. Et pour les donjons Calice, bah là, on est un peu emmerdé, donc on sait pas. Je crois qu'on avait regardé la semaine dernière et c'était un peu compliqué. Enfin, je regarde voir, mais putain, j'ai une vidéo de retard pour la semaine prochaine, alors j'aurai pas le temps de regarder tout de suite. Je regarderai vendredi prochain, je pense. Voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour ces donjons Calice. Et voilà. Et on est en train aussi de regarder par rapport à nos vacances, puisque évidemment, vous le savez, nous aussi, on aime bien prendre des vacances des fois. Donc, On aime bien glander, ouais. Donc bon, enfin moi je sais que personnellement j'ai un besoin fou de vacances, donc j'en peux plus de bosser toutes les soirs, tous les week-ends. Ça va faire du bien. C'est bon, c'est des détails tout ça. Ouais, voilà, c'est des détails. mais comme ça après, on reviendra pour toujours plus de stonks dès le mois de septembre. Mais oui. Oh putain, j'ai... Ah oui, et puis d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, rien à voir avec tout ça, Ravi est vacciné, ça y est. Voilà. Ah, c'est beau. J'ai reçu ma dose de vaccin hier après-midi, première injection, hein, donc tout va bien. Mais par contre, il faut l'avouer, ton bras est dans un état de merde. Choisissez bien le bras, hein. Moi, je lui ai dit, je suis droitier, alors faites-le à gauche. Putain, heureusement que je l'ai fait à gauche. Hein. Je l'ai fait il y a pas longtemps, j'étais à peine un peu engourdi du bras, mais ça va. Ouais, c'est la ouais, deuxième c'est... dose typique. Ouais, voilà. T'as fait la deuxième dose ou pas encore? Non, pas encore. D'accord, moi je le fais, ouais, fin juillet, je crois. Faut que je le... En fait, j'ai pris un rendez-vous, mais faut que je le décale parce que je l'ai mal placé. J'ai regardé, j'ai fait, mais je serais pas chez moi en fait. Donc je serai encore en vacances ailleurs. Donc faut que je le décale d'un jour ou deux. Mais ouais, en vrai, franchement, ça va, ça fait exactement comme un vaccin classique, la première injection. Hein. T'as le bras, enfin l'épaule surtout qui est mais morte. Concrètement, moi mon épaule était morte, mais après rien de spécial. Donc ça va. Oui, c'est ça. Apparemment, je le sens encore un peu bas chez toi, de, enfin ah, de moi chez toi. Ah mais c'est peut-être moi qui suis aussi un peu fort, par contre. Peut-être aussi. Putain, mais je sais pas comment. Faudrait qu'on règle ça un jour. Hein. Non mais il va falloir regarder ça, c'est pas possible. Mais pourtant ton son est fort, ça je comprends pas, putain. Quand tu parles, on est à peu près au même niveau, enfin on arrive au même niveau de jaune que j'ai, donc c'est une tristesse absolue. Ouais, c'est bizarre quoi. Ah là là. Ma foi. En tout cas, bien le bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, et merci à Kuro Silver de rejoindre la communauté restreinte du Booyah. Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer, ma foi, 21h28, il est une heure tout à fait correcte. Ouais. Allez. Encore une fois, merci à tous de jouer le jeu des voix dans la tête. Oh, donc oui. Sachez que quand nous parlons de voix dans la tête, nous parlons de vous dans le chat. Vous êtes nos voix dans la tête, c'est... donc n'hésitez pas à interagir en fonction de ce que l'on fait, tout ça, et puis comme ça, on parlera de vous, bien sûr. Voilà. Exactement. Putain, je viens de remarquer, il n'y a pas de version serveur sur le jeu. Version application 9, version serveur. Pff. On s'en fout. C'est le balikoui. Très bien. Ah, mais parce que je suis. Connexion, peut-être que je me connecte. Non, ça va pas marcher. Ah, bah voilà, version serveur 2015-01-300, parfait. Voilà. Impeccable. Ah, magnifique. J'ai chargé par inadvertance ma partie, donc je vous laisse vous éveiller, professeur. Oh, mais moi je dors encore! Oh là, mais que se passe-t-il? Docteur, vous êtes un lefto, c'est pas croyable! Trier parmi vos multiples personnalités, choisissez la bonne, professeur. Très. Ne vous trompez pas de rêve. Oui, ça y est, je suis dans le bon rêve. Non, je ne suis pas dans un rêve, dans un rêve, à l'intérieur d'un rêve. Tout va bien. Ah, ce sont des choses qui arrivent, ma foi, mais... Alors, il faut que je regarde un petit peu ma feuille. J'ai... Très bien, en fait, j'ai amélioré beaucoup mon capital santé et également ma dextérité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas touché à grand-chose d'autre.
Ah, moi j'ai touché un peu à tout, mais alors mon maniement des armes à feu, mes connaissances en magie ésotérique, comment dire, vous n'êtes expert en rien. sans vouloir vous insulter. Sans vouloir vous insulter, Doc, bien sûr, je ne remets pas en cause toute votre connaissance, mais là, ça craint. Tout de suite, je ne vous permets pas. Alors, où est-ce qu'on en était? Je crois qu'on avait vaincu... Il faut retourner dans le village invisible pour... vous savez, il y a une chorale de votre ancienne... de votre ancien lieu de profession où nous devons intervenir chez vous également. Oui, la fameuse chorale, évidemment. Comment je pouvais... Il faut aller au village invisible, c'est ça? Non, chapelle. On a réussi à aller jusqu'à la chapelle ensemble et ensuite vous m'aviez fait faux bond votre genou sous un laser. Ah, je me rappelle. Je me rends à la chapelle. Allez, allons à la chapelle. Oh là là. Très bien, très bien. Alors, le temps d'ouvrir les yeux. Oh, nous sommes... Ça y est, à la chapelle. Alors, du coup, si je veux vous amener à moi, c'est le... la cloche. Donc, vous devez utiliser le petit carillon, cher oui, docteur. Oui, tout à fait. Ah mince. J'ai oublié de me soigner. Ah bah... Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu mal, je crois, maintenant, Doc. Vous avez besoin de thunes, hein. je crois que... Non, mais ne vous inquiétez pas, les choses devraient bien se passer. Ah, vos récentes consultations vont arriver sur vos comptes en banque, c'est ça? Nous allons dire cela, oui. Oh là là. Ce docteur qui encaisse l'échec comme personne d'autre. Non mais comprenez que le renouvellement du matériel coûte très très cher. Vas-y. Mes économies ont tendance à partir dans l'amélioration et l'entretien de mon matériel. Oh là là. Alors. Ça y est. Parfait. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas allé m'occuper d'un individu dans une église. Ah oui, il est vrai que vous étiez à deux doigts d'y arriver, et malheureusement, ces deux doigts se sont retrouvés ailleurs. C'est le cas de le dire. C'était légèrement douloureux. C'est une tristesse affligeante. Alors oui, il faut que je récupère énormément de matériel pour améliorer mon arme, car il est vrai que... Il est vrai que vous avez pu améliorer votre arme. Tout à fait. Il est vrai qu'elle est actuellement en plus 9. Oh, je suis presque jaloux. Je m'occupe de la sonneuse de cloche. Mais bon, vous savez que dans un rêve, j'ai amélioré une arme extrêmement, extrêmement puissante. Hein. Bien sûr. Oui, je me souviens de cette arme ultime. Incroyable, quelle arme. Deux cloches sinistres se répondent. Déjà. Déjà. Mais nous venons à peine d'arriver. Mon Dieu, est-ce une manière de nous souhaiter la bienvenue? Je le crains. Mais attention, parce que je crois que dans cette pièce, il y a de nombreux... Oh là 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 là. Oui, en effet, regardez, je vois trois individus suspects lambda qui... L'un d'entre eux, mon Dieu, regardez ce qu'il a dans la main. C'est la Ligue des Gaufriers. La fameuse Ligue des Gaufriers. Oh mon Dieu. Juré de se venger. Évidemment. Alors attendez, on peut être intelligent. Regardez, il y a un ennemi sous l'escalier à côté de vous sur votre droite. Voilà, ici. Bon, il faudrait attirer cet ennemi et pas les autres. Et comme ça, on peut se le faire à deux contre un. Mais attendez, nous avons les voix dans nos têtes... Les membres du gaufrier qui cherchent à nous attaquer. Ils risquent de profiter de la situation. Oui, mais nous serons 2 contre 2 et non 4 contre 2. Je vois. Il devait être ici. Est-ce que je me suis trompé d'escalier? Est-il plus bas? Eh bien, je ne le vois pas. Là, je vois une créature mutante. Mais je ne comprends pas. Il était là, mais dans votre rêve. Oh,
Bon, ces créatures sont abominables, je tenais juste à vous le dire. C'est abomifreux. C'est... La guilde du gaufrier est... Ah, elle est sur vous. J'arrive. Il s'enfuit le roman. Ah, ouais. Avez-vous pu ramasser tout ce qu'il y avait là en bas? Il n'y a pas grand chose, hélas, d'intéressant. Et là en bas également? Cette cave, juste ici. Ah oui, il est vrai que j'ai complètement oublié d'aller voir une certaine personne ici. Oh, est-ce vraiment si grave? Les voix dans ma tête n'ont pas cessé de me dire que cette personne était dangereuse. Oh, deux morceaux de pierre de sang, c'est parfait ça. Ah ouais, il n'y a plus personne. Je crois que c'est terminé pour la personne que vous avez sauvée. Mais d'ailleurs, où est la personne que vous avez sauvée? Elle est toujours là? Elle est au faubourg de la cathédrale, dans la chapelle. En sécurité avec les autres, enfin je l'espère. Très bien, très bien. Alors, je crois qu'il va falloir malheureusement qu'on affronte ces personnes. Voilà qui est bien triste. Préparez vos vaccins. Bon, c'est Dieu. Inquiétant. C'est... Aïe, aïe, aïe. Attention. La guilde du gaufrier est juste là. What the... Vous avez raté la cible. Mais non, je l'ai eu. Mais je vous assure que je l'ai eu. Attention au gaufrier. Oui. Mais qu'est-ce que... Mais il ne fait que crier. Oh, oh mon Dieu. Docteur, fuyez. Non, docteur. C'est ce qu'on appelle un mauvais départ, docteur. Ça arrive. Oh mon Dieu. Fuyez, professeur, fuyez. Je... Oui. Va vers la lanterne. Je vais essayer de... Oh mon Dieu. La ligue des gaufriers essaie de me choper. Ils sont menaçants. J'essaie de fuir. J'essaye. Je retourne à notre lieu de rendez-vous. Je fais sonner le petit carillon. Je secoue le petit carillon. Oh. Aïe aïe aïe. Ok. Ah. Mon Dieu, j'ai failli me faire bloquer par une chaise. Plus en plus étrange. Très bien. Je suis revenu à la lanterne. Ah. Alors cette personne... Cette personne essaie de m'avoir dans un combat des plus loyales. Mais depuis quand est-ce que nous sommes... Depuis quand sommes-nous loyaux dans nos affrontements? Ouais, vous savez bien que nous ne l'avons jamais été. Regardez, il a très bien compris, il s'enfuit maintenant. Voilà. Très bien. Je retourne vers la lanterne. Je suis juste à côté. Voilà. En espérant que je vous trouve rapidement. Mon Dieu, vous vous êtes fait quand même avoir comme un bleu. Ah oui, comprenez. Dans la panique, j'ai été tétanisé. Ah, je comprends bien, je comprends bien. Oh là là. Oh, j'espère. J'entends un bébé qui pleure depuis tout à l'heure. C'est d'autres voix dans votre tête, ça vous entendez même les nouveau-nés. Non mais c'est dingue ça. Faut vraiment aller consulter, doc. Faut aller voir un de vos confrères docteurs, mais celui qui s'occupe de la tête, je crois. Non mais tout devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, décidément, cette cloche met du temps à... Oui. À fonctionner. Je vais essayer de la réactiver éventuellement, attendez. Je vais la réactiver. Peut-être que cela refonctionnera mieux. Voilà. Elle est réactivée. Je suis à la recherche de votre carillon. Cela devrait mieux se passer. En plus, je les vois d'ici, les... Oh là là, les malandrins. Ah oui, c'est vrai que nous pouvons avoir une vue sur le reste. Oui, j'aurais voulu leur sauter dessus, mais je crois que la chute... Ah, ne pardonnera pas à mon genou. Je pense que là, vous pourrez dire adieu à vos genoux. Définitivement. Oui, voilà, parce que vous m'avez évidemment réparé mon genou, mais... mais là... C'est catastrophique. Je vais relancer le petit carillon. Et oui, allez-y. Oh, c'est terrible, il y a du monde sur la route.
Et bonsoir aux voix dans ma tête qui nous rejoignent. Bien le bonsoir à vous. Celle qui prétend dire à mort au Docteur X. C'est... Ils n'ont même pas le temps de lancer un pari. Ah mais je ne sais pas si les voix qui ont un peu plus de pouvoir sont disposées ce soir à tenir les paris. En tout cas, bien évidemment, bien le bonsoir à toutes les voix dans nos têtes, hein, bien sûr. Écoutez, nous essayons de nous joindre, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu, comment vous dire cela, les roues sont encombrées, voilà. Voilà. j'ai beaucoup de mal à vous rejoindre. Il y a énormément de personnes âgées sur les routes, ça n'avance pas, c'est incroyable. Peut-être que si vous arrêtiez de les faucher, ils arrêteront de s'agglutiner sous vos roues. Mais je ne les fauche pas, je les vaccine, voyons, je les soigne. Ah oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est incroyable. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous rejoindre? Vous avez bien le petit carillon, n'est-ce pas? Tout à fait. Attendez, je refais un coup de silence. Voilà. Et je réutilise ma cloche d'appel. Très bien. Voyons voir si cette fois c'est la bonne. Oh mon dieu. Voilà, la personne est là-bas. La membre des gaufriers. Il fait des gestes extrêmement étranges. Je crois qu'il essaie de communiquer. Je pense qu'il vous nargue. Il fait ça, vous savez, c'est un comportement qui permet d'asseoir sa domination sur autrui. Ah très bien, je pensais que c'était pour caler une table, au vu de ses positions de bras. C'est très étrange comme façon de gigoter, ma foi. Oh là là, il me regarde de loin, il m'observe. Oh, je n'aime pas trop ça, docteur. Oh, je n'arrive pas à vous croiser, c'est incroyable. Oh là là, mais c'est juste complètement dingue. Comment cela se fait-il? Et merci beaucoup aux voix dans ma tête qui deviennent des super voix dans ma tête. elles atteignent un niveau dans mon cerveau qui est encore jamais vu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est fou. Je vais essayer d'avoir cette personne. Les voix dans ma tête suggèrent que nous fermions totalement les yeux et que nous recommencions. Je vais essayer d'avoir la personne, la voix dans la tête. Peut-être que ça va débloquer la situation, comme je sais que ça l'avait fait de nombreuses fois avant. Je reviens, je ferme les yeux. Allez-y. Et je les réouvre, c'est un peu long. Et je l'ai eu. Ça y est. Bravo. Voilà. Quelle adresse, quelle puissance. Ah vous savez, j'ai fait un peu d'escrime quand j'étais jeune. Voilà, cela débloquera peut-être la situation. Je vais aussi réouvrir mes yeux. Attendez. Il faut juste que je... Faisons comme ça. Alors, hop. Très bien. J'arrive, docteur, ne vous inquiétez pas. je sonne le petit carillon en attendant. Très bien, allez-y, hop. Nous allons y arriver. Ce serait quand même sacrément ballot, Doc, hein, si on arrive à se trouver et que vous mouriez de la même situation. Non, mais ce serait vraiment trop dramatique. Je suis pour les effets dramatiques, docteur, mais là, ce serait un peu trop pour mon petit cœur fragile. Ah, j'entends bien, et je crains que ce serait trop pour le mien également. je viens de... Donc, autre cloche d'appel. Oui, je viens de le faire à l'instant. Ah, découvre. Ah bah voilà. Bah, je pense que oui, c'était nécessaire de... de fermer les yeux pendant que je conduisais sur la route, mais ça me semblait extrêmement dangereux. Mais pourtant, ça a fonctionné, Doc.
C'est incroyable. C'est incroyable, votre calèche vous a amené jusqu'ici les yeux fermés. Par contre maintenant, les ennemis sont de retour. Ne vous inquiétez pas. Ah bah... Doc, je crois que nous ne sommes pas très bons pour viser deux chiens. Non, oui, non, mais... Comprenez bien... J'ai vacciné la sonneuse de cloche. Ah très bien, ah oui, je vois. Docteur, cette opération de la colonne vertébrale est un véritable succès. Comment dire? C'était radical. Cette greffe de moelle épinière était incroyable. Vous êtes arrivé, cela. C'est greffé. On n'en parle plus. C'était l'agacement dû au menu accident que nous avons eu précédemment. Oui, bien sûr. Très bien. Alors attendez, allez-y le premier parce que avec votre votre greffe de moelle épinière salvatrice, je pense que ça va faire des miracles. Ah. Incroyable. Voilà, je crois que nous avons votre vengeance de la dernière fois. Ah ouais, c'est parfait. Par contre, attention, celui-ci est équipé d'un énorme désinfectant. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait le temps d'utiliser ce désinfectant. Vous savez à quel point il est meurtrier. Puisque vous utilisez le même. Oui, je le sais bien. Oh, bravo, bravo. Oh, incroyable. Incroyable, il n'a pas eu le temps d'utiliser son désinfectant. Il a tout juste eu le temps d'ouvrir le flacon. Ah oui, j'ai eu cela. Très bien, oh lune, extrêmement intéressant. Très bien, donc ici nous n'avons plus rien à faire. Je sais pourquoi nous n'avons pas retrouvé le... Et il est déjà mort peut-être, non? Mais oui, puisque nous avons dû nous occuper, vous savez, du patient traité aux électrochocs. Oh oui, oui, voilà, oui, je m'en rappelle, tout à fait. Oh, vous avez bonne mémoire, docteur, c'est beau ça. Écoutez, je dois bien faire en sorte de me souvenir de mes patients et de m'en occuper correctement. Par contre, cela n'est pas un de mes patients. J'espère bien que c'est pas un de vos patients, parce que là, je m'inquiéterais sur son état quand même. Hein. Allons voir par là. Alors pour les voix dans ma tête... Déjà ouvert cette porte. Ah, je ne sais plus. Chez vous, oui, mais ici, je ne sais plus. Une voix dans la tête demande si alors, je ne sais pas, je ne comprends pas tout à fait ce qu'il dit, mais je crois que oui, vous pouvez apercevoir en tout cas ce que voit le docteur. Voilà, vous pouvez apercevoir ce que tout voit le docteur. Sans aucun souci. Tout à fait. Il vous suffit juste de taper les enfin, de trouver les bons mots-clés. Voilà. C'est compliqué à expliquer, hein, n'est-ce pas, docteur? Écoutez, c'est une combinaison... fort peu complexe de caractère latin. Ah, je crois qu'on l'a mis sur la bonne voie, ça y est, je... Oh là. Mais attendez, pourquoi nous pas ici? Nous sommes déjà allés par là. Je n'ai rien ramassé, il y a des morceaux de sang. Mais vous n'aviez rien ramassé la première fois? Si, enfin, je veux dire, j'ai ramassé 2-3 trucs, mais... Vous avez traversé l'environnement en courant, c'est ça? Oui. Écoutez, là n'est pas la question, continuons, ma foi. Oui, oui, après tout, avançons. Très bien. Il faut qu'on aille voir encore ces autres... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mutations, mais qu'est-ce que... Je ne sais pas, c'est étrange. J'ai l'impression que... Une sorte d'agent pathogène a fusionné les individus les uns avec les autres. Oh là. C'est terrible. Ah oui, je crois qu'ici il y avait des choses à faire. Il faut notamment activer ce petit ascenseur. Ah oui, le fameux. Alors ne rentrez pas dedans, je vais juste l'activer. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bien sûr, je connais mon chemin, enfin... Ouais, dans ma tête, se foutre complètement de ma gueule. Écoutez, professeur, je connais votre propension à faire parfois quelques menus erreurs d'orientation.
Ma réputation me précède. Écoutez, quand vous aurez, exploré autant de donjons que moi, on en reparlera. Non mais j'entends bien, Quel est donc que ceci? Mon dieu. Mes yeux me... J'ai cru voir quelque chose de bizarre, mes yeux m'ont trahi pendant une seconde. Mais... Ah! Oh mon dieu, mais quelle puissance! Je pense qu'il va falloir faire usage de désinfectant de façon... Attendez, excusez-moi. Oui. Allez-y, allez-y. J'essaye de faire en sorte... Mon dieu, mais vous avez inventé un nouveau jeu, on va appeler ça... La pétanque! Non mais, c'était pas un jeu, héros. C'est un usage professionnel d'outils de médecine. Évidemment, évidemment. Oh, j'ai des gemmes humides de chasseurs d'êtres cosmiques. Ah bah, quand je vous disais que c'était cosmique ce qu'on voyait un petit peu avant dans nos aventures. Je l'entends bien, regardez-moi ça, rien ne fait sens là-haut. La lune n'a même pas des couleurs... Oui. La lune est rouge, le ciel est violet. Oui, bon, c'est vrai qu'on a connu, on a connu mieux. Je me brûle sur des cadavres. Voilà. Mais qu'est-ce que, mais éloignez-vous enfin. Mais qu'est-ce que, et regardez, il s'est éteint. Oui, c'est incroyable, mais pourtant il brûle quand même. Je comprends pas. Et si nous essayons d'attirer ces patients vers ces choses bizarres? Écoutez, je pense que nous verrons cela un peu plus tard, vu que nous avons de nouveau des ennuis. Oh là 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 là, mais ça ne s'arrêtera jamais! Attendez, allons sous ce porche. Ah oui, d'accord, très bien. Et sous ce porche, nous allons devoir faire usage de désinfectants. Non, c'est bon. Alors, tout va bien, tout va bien. Je ramasse à nouveau des morceaux. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut en termes de morceaux? Il faut que je regarde. J'ai 11 morceaux, il m'en manquerait encore un, il me semble. Oh, mais c'est parfait. Ça devrait se trouver assez facilement. Regardez, il est là, il nous nargue avec ce gaufrier. Il faut vous venger pour tout à l'heure, docteur. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Attendez, je dois me... Allez-y, allez-y. Mourir un peu les veines, ne vous inquiétez pas, c'est une opération bénigne. Vous ouvrir les veines, comment ça? C'est une opération bénigne, ne vous inquiétez pas. Mon dieu, c'est terrible. Alors, je ramasse... Oh là là. Le set de Yahargul. Par contre, il s'enfuit, je le crains, au milieu de... Ah, de la foule. Ah oui, des créatures dangereuses rôdent, je les aperçois. Il va falloir y aller prudemment. Peut-être passer sur le côté et sur le pont en haut, pour... Mais il est complètement fou. Mais la folie l'a atteint, docteur. Ouais, écoutez, je pense que cet individu psychotique est très dangereux. Oh, attends. Oh oui. Oh bravo. Oh, c'était vraiment sur le fil, hein, si je peux me permettre. Oh là là, il a fui. Il a fui. Il a fui. Ouais, mais moi aussi, je l'ai touché, mais ça n'a pas suffi. Je suis remonté, hein, si jamais vous posez la question, je suis remonté. Oui, je vous rejoins. Ma tristesse est immense, je n'ai malheureusement plus de désinfectant pour recommencer l'opération. Pour vous donner une idée, ma tristesse est aussi est proportionnelle à la taille de mon nez. Ah oui, j'imagine bien. Attention, il est derrière nous. Il essaie de nous prendre en tenaille. Oh, oh non. Oh mon dieu, mais fuyez. Fuyez. Je prends les balles pour vous. Je me soigne. Je prends une balle pour vous, Doc. Ah, il vient de me lancer quelque chose sur moi, je ne sais pas ce que c'est... Ah, c'est de l'huile, c'est dégueulasse. Attention, une créature mutante nous arrive droit dessus. Elle fonce droit sur nous. Oh mon dieu. Attention. Oh. Ouf. Ah, je me soigne, j'arrive. Bon, la créature mutante n'est plus... Ah mais pourquoi vous ramenez le cadavre? Mais je n'ai pas fait exprès de le ramener. Enfin, c'est le cadavre qui se colle à moi. C'est le cadavre qui me ramène. C'est totalement différent. Oh, il se joue de nous. Bien sûr qu'il se joue de nous. Oh mon dieu. Oh, les voix dans ma tête qui deviennent des super voix elles aussi. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh là là, nous sommes bombardés par ces créatures immondes et dégoûtantes. Attention, il arrive vers vous, il fonce droit sur vous. Doc, ils sont trois sur vous. Je détourne son attention. Ne vous faites pas avoir, vous êtes trop précieux. Oh.
Le décès n'est pas grave. Mon dieu, mais ils sont 4 sur nous. Ne vous inquiétez pas. Cachez-vous derrière les... Cachez-vous derrière les voitures. Venez, venez, remontons, remontons. Oui, oui, bien sûr. Oh, c'est con, cette voiture avait la direction assistée en plus. Non mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est une calèche et il n'y a même pas de mot pour la tirer. Aïe. Oh mon dieu, mais... Je suis dessus, je suis dessus. Les canonniers ont été ressuscités. Comment ça, les canonniers? Oui. Terrible. Je vais bientôt manquer de balles, moi, si ça continue, voilà. Ah non, mais venez, professeur, venez, remontons, passons par les hauteurs. Très bien, très bien. Passons par les hauteurs, il nous poursuit, il sera bien forcé de nous poursuivre. Très bien. Prends des fioles de sang, très utile. Attendez, je crois que là-bas, il n'y avait pas des trucs ici, je ne sais pas. Ah non, c'était pour aller vers le... Le dispositif Ah oui, le dispositif de transport avancé. Voilà, et là en dessous, il y a une gemme extrêmement précieuse que je tiens à récupérer. Malheureusement... Attention, professeur. Ah bah oui, mais je... Écoutez, c'est très sombre, comprenez. Ah, il y a un ennemi extrêmement puissant ici. Et mutant, par-dessus le marché. Encore, hein. Oh, bien joué, ça. Je dois récupérer cette gemme. Excellent. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous sommes bloqués ici. On me demande qui est cet individu, mais cet individu est une voix dans nos têtes qui cherche à nous... Comment dire? À usurper notre identité. Oh, une voix dans ma tête demande quand est-ce que vous êtes libre pour une consultation? Eh bien, moyennant finance, je pense qu'il y a moyen de trouver... voilà. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, ah, elle est ici, regardez, elle ramène encore des... Oh, c'est parfait. Au moins, nous sommes... Et en plus, c'est des balles qu'elle vient de nous donner, ce qui est parfait. Qui est très très bien. Descendons. Alors, par écoutez, ici. Écoutez, je commence à manquer de ressources en termes de munitions. Comptez sur moi pour les munitions. Maintenant, nous sommes derrière. Est-ce que cela suffira à tromper l'ennemi? Je l'espère. On n'a pas réussi, on a fait bien beaucoup. Attendez, y a-t-il d'autres créatures étranges derrière? Que faites-vous, professeur? Je tente de les affaiblir une à une. Regardez, elles ne m'ont pas vu. Ah si. Si, elles vous ont bien repéré. Aïe aïe. Mais une chacun, ça devrait aller. Mais oui. Ah mais si nous allons sur la même. Ouais, mais elle était affaiblie, elle était affaiblie. Oh, oui, oh mon dieu. Mais qu'est-ce que cela? C'est un membre du gaufrier, il est équipé, vous savez, du désinfectant rapide. Dieu. Très bien. Maintenant il n'y a plus personne vers qui se cacher. Il est obligé de venir se battre, tout à fait, mais il reste extrêmement dangereux. Oui, effectivement. Ah oui. Oh, bravo. Ouf. Oh là là, ça ne plaisante plus. Allez. Oh, bravo. C'était son erreur. Nous l'avons vaincu. Oh là, ces voix dans vos têtes. Ah, elles sont tenaces, hein, je vous l'accorde. Elles sont tenaces, elles deviennent de plus en plus fortes, c'est incroyable. Très bien, je crois... Est-ce qu'on a tout visité? Je crois que oui, mais j'ai un petit doute. Laissez-moi regarder. Il me manque un morceau de pierre de sang, c'est terrible. Peut-il y en avoir un peut-être par ici? Encore? Non, tout encore va bien, tout va bien. C'est juste pour... Non, vous inquiétez pas. Savoir de démon... Ah, oh, il va me manquer un morceau. Ah, il y en a peut-être un en face. Je vois des items en face. Les voix dans ma tête me parlent de paiement par carte Visa. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas ce système. C'est du délire. Encore du savoir de démon. Oh là là, il va me manquer un morceau, c'est incroyable. Oh là là. Est-ce qu'il ne serait pas vers le dispositif de transport? Ah. Ah, peut-être. Vous savez... De l'autre côté.
Ouais, de l'autre côté, exactement. Ah, et ben allons-y alors. Après vous, Doc. J'ouvre la voie. Je vais utiliser en premier pour neutraliser les chiens. Oui, oui. Un adversaire redoutable. Mais comment ça se fait qu'il... Est-ce qu'il a été remis sur pied? Tout à fait, il a été remis. Je pense que c'est là-haut. Oui, oui, c'est là-haut, tout à fait. Ah, écoutez, je fais les rituels de manière un petit peu décalée. Mais ça a l'air de fonctionner. Écoutez, moi je le fais de la bonne manière, puisque j'ai lu dans un livre comment on faisait. Ah mais écoutez, je n'ai pas votre expertise en la matière, je suis que docteur. Alors, est-ce qu'il y a des choses que nous avons ratées? Ah, putain! Clébarde! Oh non, 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 mais ne vous inquiétez pas, il y a des morceaux là en bas. Ah bon? Vous voulez dire que j'ai paniqué pour rien? Non, non. C'est une foutue sorcière! Ça y est, je l'ai eu! Bravo. Qu'en est-il de ce mutant? Oui. Il est fort peu coopératif, mais. Nous en sommes débarrassés. Ah, c'est beau ça. Ce mutant m'avait donné un morceau de pierre de. Oui, oui, et j'en ai encore récupéré. Attendez, ce qui fait que j'en ai 14 maintenant. J'en ai plus qu'il n'en faut pour. C'est parfait. Je vous propose de retourner voir la jeune fille. Oh non, vous inquiétez pas, je suis très confiant sur le prochain adversaire. Oh, quoique, non, vous avez raison. Nous sommes d'accord. Ah oui, mais l'ascenseur des. Ah, il faut rappeler l'ascenseur. Vous savez, une marque téméraire. Oh oui, bien vu, bien vu. Celle qui consiste à se frapper sauvagement le front de désespoir pour retourner à la lanterne. Tout à fait. Oh mon dieu, la solution était évidente. Ah là là, très bien. Allons nous faire racketter à nouveau, écoutez. Tout à fait, tout à fait. Oh mais quelle raquette. Ah mais c'est incroyable hein. C'est... Et elle demande toujours plus. Mais oui, mais c'est ça que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait de tout cet argent? Écoutez, c'est indécent. Je pense que tout part dans de la drogue. mais c'est une poupée, comment peut-elle sniffer quoi que ce soit? Je ne sais pas. Écoutez, c'est vous le doc, hein, dites-moi, mais... Je ne sais pas pourquoi elle... Et comment elle dépense tout cet argent? C'est incroyable. Mon dieu. Très bien, alors attendez, je suis en train de regarder... J'améliore la puissance de mon arme avec de nouvelles gemmes, écoutez, dont celles qu'on a ramassées un peu avant. Très bien, pour l'instant. Ok. Et bien pour l'instant, je suis donc en plus 9, enfin. Ah, bravo. 309 d'attaque, ce qui paraît très peu comparé à ce que j'ai l'habitude de voir. Oh, oh. Mais nous allons devoir aller explorer quelques souterrains, professeur, je le crains. Je le crains également. Très bien, j'ai amélioré cela. Continuons du coup. Ah oui, il me manque encore 3 morceaux de pierre de sang. Et il vous manque encore des morceaux. Ah, mais pour... Comprenez, c'est le désinfectant. Oui, oui, c'est vrai que moi je ne touche pas encore à tout ça. Il faudrait que je m'y investisse plus, mais je ne sais plus où est le... Ah non, remarque, le pistolet, je ne pourrais pas m'en servir. Il faudrait que j'améliore celui que j'ai là, en fait. Et puis, j'espère pouvoir récupérer un autre désinfectant, vous savez, dans un lieu un peu étrange. Un qui fonctionne en cloche, si vous voyez ce que je veux dire. Un qui fonctionne en cloche... Mon dieu, je crois que je n'ai pas la référence. J'arrive à Yargul, le village invisible. Ah, comme ça, nous prendrons l'ascenseur. Je récupère du matériel de soins et je vous rejoins. Allez-y, allez-y. Celui qui fonctionne en cloche. Parce que moi j'aurais aimé récupérer celui qu'on aura un peu plus loin. Vous savez, on avait récupéré un désinfectant, mais de on va dire à l'ancienne avec des flammes. Et je voulais récupérer l'autre, l'alternative, celui qui. À l'acide. Je vois, la pulvérisation à l'acide. Il n'y a que ça de vrai, écoutez. L'immolation.
Ah, je me prends des tirs. Je récupère parce que, malheureusement, j'ai disposé de nombreux objets qui n'avaient pas été sortis de mon coffre. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, alors, je dois faire un aller-retour. Je me suis pris des tirs. Nous allons au village invisible, c'est bien cela. Oui, 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 le premier. Comme ça, nous allons directement à l'ascenseur et nous pourrons aller le plus vite possible voir la chorale. Oh là là. Oh là là, terrible, terrible. Oh mais ce ciel, cette nuit. Très bien, j'utilise ma cloche. Attendez, je n'ai pas fini de cligner des yeux. Ah oui, oui. Oh bah écoutez, bon, j'utilise le petit si carré. Vos paupières sont lourdes, ma foi. Ah bah j'en suis fortement navré. Alors attendez, j'essaye de retrouver, voilà. C'est vos lunettes quoi, qui ne sont pas passées à la version 5, c'est ça? Ah mais malheureusement, oui. Je suis encore coincé, vous savez, sur le modèle 4.0 de la lunette. Exactement, vous savez, celui développé par un fabricant japonais, le modèle numéro PS4. En plus, 4 modèles. Si vous voulez, ah oui, vous êtes vraiment resté. Oh là là, mais. Je comprends. Écoutez, je dispose de vieux matériel. Hein. Contrairement à certains, je ne touche pas beaucoup d'argent pour pouvoir renouveler celui-ci. Écoutez, mes élèves m'offrent bien ce qu'ils veulent, ma foi. Je leur laisse libre choix. Oh là là, parfait. Allons-y, allons voir cet ascenseur. Oh là, je suis allé un peu trop loin. Je vous suis. On se fait tirer dessus. Mais oui, c'est un carnage. C'est une reconstitution de la guerre de sécession. Voilà. Oh, bien joué. Allez, vite, avant qu'il reprenne conscience. L'ascenseur est bien là, oui. Je ne le voyais pas. Voilà, faites pas attention à ma cape. Oh merde, j'ai oublié de sauter. J'arrive. Je suis juste là. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai... Oh non. Chien. Sale petit chien. Vous n'allez pas me croire, Doc. C'est hostile. Qu'avez-vous fait? Vous n'allez vraiment pas me croire. Professeur. Alors, j'ai effectivement sauté de l'ascenseur. Voilà, mais ouais. le problème, c'est que comme l'ascenseur est monté et qu'en dessous il y a un trou, je suis malheureusement dans une mauvaise passe. Ah non, attendez, c'est bon, je peux redescendre. J'étais coincé à un étage et je ne pouvais pas rappeler l'ascenseur sous peine de tomber dans un trou. Qu'avez-vous fait encore une fois? Écoutez, vous allez rire, il y avait une petite alcôve là, j'ai pu me glisser dedans et je ne pouvais plus descendre. Mais je vois, mais vous avez utilisé les voies d'accès de service de l'ascenseur pour prendre tout simplement le bon étage. Voilà. Mon dieu. C'est décidément incroyable. Oh, en même temps. Oh. Voilà, il ne faut pas que je lâche une flatulence par contre. Ce serait terrible. Je vous en prie, évitez. Nous n'avons jamais fait ça durant un voyage spatio-temporel. Je pense que ça pourrait dérégler le continuum espace-temps. Ah non, c'est beaucoup trop dangereux. Oh, des balles, parfait. Elle avait 3 balles sur elle. Écoutez, c'est déjà plus que nous après une visite auprès de la jeune fille. Oui, c'est plus que ce qui me reste après un racket. Très bien, allons-y, regardez, la voie est grande ouverte. Ah, pardon? Attendez, j'ai une légère crampe. Oh, mais je dois juste, voilà, faire un petit peu de traitement. Voilà, votre crampe est soignée maintenant, allons-y. Je vous rejoins juste après, allez-y, avancez le temps que l'injection fasse effet. C'est terrible. Mon dieu, cette lune. Il est vrai que vous avez traité un patient ici, il me semble. Comment va-t-il, ce patient, d'ailleurs? Je ne le vois pas. Écoutez, il était en phase terminale, j'ai dû appliquer un traitement à base d'euthanasie. Ah! Par contre, vous ne m'avez pas prévenu qu'il y avait une chorale de la part de vos anciens collègues. C'est... Oui! Oh bah écoutez, hein, nous sommes là, voilà. Que se passe-t-il? Mais cette chorale a des effets cosmiques! Et que se passe-t-il?
Professeur, pourquoi est-ce que nous voyons le ciel à travers la lune? Des étoiles même. Mais... ça c'est votre patient, je crois. Mais enfin, nous l'avions déjà traité. Écoutez, je crois que ça ne suffisait pas. Il va falloir appliquer un vaccin de type 2. Écoutez, je crois que nous allons devoir sévir en matière de traitement. Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais je sens la mort. Non, tout va bien se passer. Et n'oubliez pas, contre cette personne, de manger un petit bonbon juste avant d'aller l'attaquer. Hein. Mais d'abord, attaquons-nous à cette chorale. Ah oui, la chorale. Êtes-vous parti à droite ou à gauche? Je suis à gauche, à gauche, à gauche. Ok, je pars sur la droite. Voilà. En espérant que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. Oh! Mon dieu. Je crois que le patient m'en veut. Oh. Ah, je crois qu'il est sur vous, Doc. Écoutez, pour le moment, tout se passe bien. Très bien, j'arrive vers vous, Doc. Et la chorale a été arrêtée. Très bien. Allons-y. Alors, je ramasse ce qu'il y a sur le chemin. Parce que vous laissez des balles un peu partout, écoutez. Mais écoutez, comprenez bien que... Alors, attendez. Avant d'y aller, je dois m'équiper. Et un petit bonbon. Oh là là, ils sont bien sucrés chez Zador. Oh mon dieu, je crois qu'il m'en veut. Très bien. Oh oui, bien joué, Sadok. Oh, il s'en souviendra longtemps. Oh mon dieu, il est tombé. Oh, je suis coincé, Doc. Je ne suis pas dans la bonne position. Eh ben moi, je suis coincé, mais ça suffira. Oh. Oh, le vaccin 2.0 est une merveille! Une merveille! C'est incroyable. C'est merveilleux! Oh là là, je n'en reviens pas! Mon Dieu. Bien joué, docteur! Je ne comprends pas, je peux encore. Regarder ses organes, ça ne fait pas comment de ça? Comment ça? Ça n'a aucun sens. Vous expliquez, vous savez, quand vous vous concentrez. Sur un patient ou un élève. Oui. Eh bien écoutez, je pouvais continuer de me concentrer sur son ancienne position. C'est... ça n'a aucun sens, docteur. Je le sais bien, je ne comprends plus rien. Ces statues sont du plus mauvais goût, hein. Vraiment. Très bien, alors voyons voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ils ont tous des caches sur la tête et... il y en a beaucoup. Mais enfin, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je ne vous croyais pas. C'est ce que je vous disais, ils ont des caches sur la tête, rien ne fait sens. Mais professeur Micolache? Oh mon dieu, mais depuis combien de temps? Mon dieu, mais il est complètement desséché par le temps. Il est mort. C'est ce que je vous disais. Ils sont tous secs. Ils ne sont pas énormes. Mais mon dieu, oh là là, je dois... Je suis désolé, mon vieil ami. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... J'ai voulu lui rendre un dernier hommage et... Qu'est-ce que je refous ici, moi? Pourquoi sommes-nous à l'académie? Je suis... Oh mais je ne comprends rien. Nous sommes à l'académie. Il y a des élèves qui parcourent les couloirs et ils m'ont l'air... dangereusement agressif. Oh, vous dites n'importe quoi, vous exagérez, voyons. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de me jeter des produits chimiques? Attendez, je vais aller voir tout ça. Ils ont les bras qui s'allongent de manière... Non, mais il faut traiter tout ça. Utilisez le vaccin 2.0, il n'y a que ça de vrai. J'espère, j'aimerais bien, mais... ils sont bien agressifs, c'est incroyable. Oh, j'en ai un qui m'est tombé dessus. Oh, oh. Oh mon dieu, il m'a marqué de son empreinte. Oh, mais évitez de boire tout liquide. Je pourrais. Oh mon dieu. Bon, j'espère que ce n'est rien de grave et qu'il ne va rien m'arriver de fâcheux. Très bien. On va y voir un petit peu ce qu'il y a ici.
Ah oui, en effet, les bras s'allongent. Il a essayé de me piéger. Je crois qu'ils n'ont plus de colonne vertébrale. Ce sont donc des invertébrés. Je crois que il va surtout falloir les traiter de manière proactive. Si vous voyez ce que je veux dire. Vos anciens élèves ne sont plus trop ce qu'ils étaient, professeur. Bah si, regarde. Non mais vous dites n'importe quoi, regardez, ils dorment tous là pendant les cours. Je veux dire, il n'y a rien de plus naturel, ils sont tout à fait normal. Oh non, franchement leur réaction... Bon après, où est le professeur qui est censé leur inculquer les bonnes manières, je ne sais pas, mais... Maître Willem, j'essaie de trouver des accès aux différentes salles. Je vois un amphithéâtre où ils sont tous en train de dormir, effectivement. Ah, vous voyez, je vous ai dit, tout est parfaitement normal. Bon, les hamsters sont un petit peu modifiés, par contre, hein, mais écoutez. Vous avez encore trouvé un fœtus desséché ? Oui. Je ne sais pas ce que ça fait là. Écoutez, c'est sûrement Micoloche qui faisait un peu n'importe quoi. Très bien. C'est terrible quand même avec tout ce qui se passe. Le pauvre professeur Micolas aurait pu nous expliquer bien des choses. Mais écoutez, votre professeur Micolas est très desséché. Écoutez, on peut lui lancer un verre d'eau, mais je crois qu'au vu de la décomposition cadavérique, il est un peu tard. Je suis en train de visiter un petit peu. Je suis au-dessus des amphis. Mais il y a une personne atteinte de gigantisme dans cette pièce. Comment ça de gigantisme ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Une note. L'entité lunaire sans nom, ailée par Laurence et ses associés. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Laurence, hein. Il nous... Ah, 3/4 de cordon ombilical. Apparemment, il y aurait une recette fortement... très étrange. 3/4 de cordon ombilical ? Mais c'est dégueulasse ! Il vous donne rien de plus pour la recette ! C'est incroyable ! Malheureusement non. Je ne sais pas, une vinaigrette, une sauce tomate, du pesto, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Je l'ignore, voyons. C'est votre lieu de travail, pas mais le oui, mien. Mais je ne suis pas responsable des actes de mes collègues, moi. Mais enfin, mais vous ne discutez jamais des travaux de vos... Bah non, à chaque fois on se dispute pour savoir qui c'est qui n'a pas changé le filtre de la machine à café. Un morceau de pierre de sang. Oh oui, nous sommes au même endroit. Je reviens en arrière, car je crois que j'ai vu quelque chose là-bas, plus loin.